Alors Salut, bonjour. salut. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Alors là, petite session carpe. On a déjà mis les lancers, on vous a pas montré, mais on va vous les montrer après. Voilà, on est parti pour une petite semaine de pêche. Carpe, amour blanc, esturgeon visé. On est dans un petit étang privé géré par une association. Et voilà l'installation. Donc, la tente, Bioui, les enfants en solo. Voilà, moi sur le poste ici. Les enfants à deux cannes chacun. Sur le poste juste à côté. Ça, c'est les cannes de Karl, celle-là. Et ça, c'est les miennes. Donc, celle de Karl, elle pêche là-bas. Et les miennes pêchent vers le truc orange tout là-bas. Voilà, c'est très précis. Hein? Donc voilà, on a lancé pour ce soir, vite fait. On s'est surtout préoccupé du campement. On est avec le tonton et le petit cousin. Yes, Enzo. Donc on installera tout le reste demain, les tonnelles, tout ça. Eux, ils seront installés un petit peu plus loin, sur les postes suivants. Et voilà, c'est parti. Et j'espère qu'on va faire du poisson. Avec ce gars, et moi je vais battre mon record. Allez, bonne déroule. Oh, je suis sûr que ça va sonner. Waouh, elle est pas mal. C'est combien celle-là? Enzo, épuisette, Enzo, Enzo, posez l'épuisette. Let's go. Ouais, elle est belle, hein? Les bras là, on monte. Oh, c'est lourd. Alors, petit réveil à 5h du matin. Hein? Je sais pas si je bats mon record là, papa. Ah, je sais pas, on va aller voir. Bismi. 5,8 kg. Doucement, doucement, Enzo, doucement. Recule aussi s'il faut, bon, prendre un peu de hauteur, voilà. Ton frein pas trop. Voilà, c'est bon. Ah, il peut pas, elle est lourde. Hein. Ferme-la, s'il te plaît. Vas-y, mouline, Tino à fond. Tu la ramènes. Elle est loin, Karl, là. Hein. D'accord? Il y a des chances que. Elle est. Ouais, par contre, elle est giga grosse. Oh, elle est belle, hein? Ouh! Du poisson. Maintenant, tu filmes, hein, Tino, comme je t'ai dit. Ouais. La bordure du. Ah, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Lève-toi un petit peu, Karl. Lève-toi un tout petit peu. Lève-toi. Debout. Voilà, tu l'oxygènes. Et voilà, elle repart tout doucement. Tout doucement.
centimètres. Pas plus. Voilà, petit atelier montage de bas de ligne. On va devenir une usine à bas de ligne. Voilà, on embauche. C'est quoi mon salaire? Bah, c'est la carte que tu prendras, ton salaire. Hein? Ouais, mais ça vaut rien. Ça vaut rien? En parlant d'argent. Oh, qu'est-ce que tu fais là si ça vaut rien? Je m'amuse. Je profite de mes vacances. Elle est plus petite, celle-là. Et bien joué. Allez. Attends, non, mais attends, laisse-la faire, laisse-lui faire sa photo. Oh, pépé. En chie? Oui. Oh oui, reste bien au-dessus du tapis, hein. Une poisson pour les deux. Yeah. Bienvenue Olivier. Tu restes là toute la semaine si tu me portes aux choses comme ça. Bon? Oui. Dure 16-17. Pas mal, hein. Ouh. Ah, je commence à m'endormir. Heureusement que t'as réveillé. Oui, j'ai même pas encore. C'est le détecteur que ce n'est? Oui. Et quand il a allumé. Ouh, il y a un beau bébé. Ouais, 20. Ah, 19. Avec le sac. 20. 20, ouais. 19 avec le sac. Elle fait 19, 5. Entre 19 et 19, 5, elle fait. 19 et demi, ouais. Oh, Grant, elle est ultra blessée, là, sur la queue. Ouais, elle sent un peu amochée. Elles sont un peu toutes. Elles sont un peu toutes amochées. Wouah, 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 wouah! Je peux pas plus. Eh bien. Pas mal. Oui. Allez. On va faire les petits. Alors bonjour tout le monde. Pour le jour 1. Premier 24 heures. Voilà. Jour 1. On a pêché 10 poissons. Un seul poisson en dessous de 10. Et entre 15, il y en a beaucoup. Et entre 18,5, 19,5, on approche les 20 kilos. Entre les 20 kilos, on a fait pas mal des 18,5, des 19. On va vous les montrer après dans la partie 3. Dans la partie 3, t'es sûr? Ouais. C'est toi qui fais le montage? Non. On fera un petit récap sur les prises qu'on a fait et puis le petit séjour qu'on passe. Allez, 24 heures suivantes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
met tout le monde derrière le tonton. Alors ce soir, c'est burger, bacon, nuggets. Allez, bon appétit. Je sais même pas quelle heure il est. Déroulage en plein milieu de la nuit. Ouais, elle est tellement grosse que j'arrive pas à passer mes doigts. Et, un petit mais joli poisson quand même. Bien linéaire. Toute belle, toute mimi. Encore un peu, encore. Vas-y Enzo. On va aller chercher encore. L'Enzo là parce Monte. Voilà, allez Enzo. Voilà. Ouais. C'est celle que j'avais tout à l'heure. Donne du mou, Karl. Donne du mou. Voilà, tu la mets contre toi, comme ça, voilà. Hé, hey, beau gosse, allez. La personne fait des oreilles d'âne. Oh. Ça va? Bien. Bon, ok, mets-la comme ça, voilà, là t'es bien. Après, tu avances un petit peu, mais... Il n'y arrive pas. Regarde-la déjà comme ça, voilà. Eh bien, Mtio. Allez, hey, hop. Allez. Et pas trop. C'est un échangeon. Papa. Je prends. Aïe. Et je prends ici. T'es content? Oh non, il est trop beau. Ouais. Il est super joli. Mon tout premier esturgeon. Elle est géniale, on remet vite à l'eau. C'est plus facile à prendre qu'une carpe. Hein. Ouais. Il y a plus de prise. Hein. Il est beau. C'est de tomber un peu tes bras. Je passe. Est-ce que t'as au-dessus de double as? Non. À toi. Une petite partie de trop du cul. J'ai pas insulté, moi. Qu'est-ce qu'il dit, le cousin? Toujours plus. Non, il est double neuf. Je sais que c'est double, il va poser une carte par une carte, comme tout le monde. Touche pas à ton frein. Attends, attends. Tu maintiens. Non, mais c'est pas possible le fil qu'elle te prend là. Ouais, ouais, il est serré. Ah oui, oui, il est serré. Allez, vas-y. Presque. Eh bien, bravo, Karl. Ah ouais. Bon.
Regarde, t'as quatre mains. Tu souris ou t'en chies là? Je lâche un peu. Vas-y, c'est bon. Il y a un bon focus. Ouais, bon focus. Prends-la et accompagne-la. Elle fait pratiquement sa taille. Super. Salut. Et c'est la corvée. T'as bien fait de relancer. Plus loin. Plus loin. Vas-y, plus loin, plus loin, plus loin. Élève. Alors Rémi, c'est le spécialiste des baffes. Ah oui. Moi j'en ai pris une belle à côté. Moi aussi, hein, sur la carpe d'Enzo. Ah oui, c'est pour une belle barre, Enzo. Elle est très belle. En fait, la queue, il faut qu'elle soit en bas et la tête soit en haut. Ça fait... Je vois pas ta tronche, hein, gros. Elle est très très jolie. Prends ma main. Hein. Oui. Allez. Et ben, joli petit poisson sur les dernières petites 24 heures. On espère encore en faire d'autres. Je sais pas du tout quelle heure il est. On va vite remettre ce petit bébé à l'eau. Tu pourras pas. Oui, tiens, bien. Vas-y, porte, soulève mes bras, mes mains. Quoi? Attends, mais faut que je mette. Ah non, il le tient. Il a pas de bol. Vu comme tu l'as combattu. En plus, il est fatigué. Hein. Oh, ça, j'ai du mal avec toi. T'as accroché dans le filet. Oui, mais on fera tout ça après. Tu ne vas pas laisser la canne en plein milieu, parce que ton père, il va falloir qu'il remonte. Hein. Enlève ta canne. De toute façon, il est plus dans le poisson, donc tu peux t'en pousser. Enlève ta canne, là, sous le bas-côté avec ton filet. Voilà. En plus, je ne vois pas s'il veut sortir qu'il puisse qu'il du passage. Mais il est à côté, il lève un peu comme ça. Comme si j'avais un petit. Ah, tu l'es. On voit, t'inquiète pas, on voit, on voit. Je suis en surplomb déjà de toute façon. Ton jog. Ouais, ton jog, Carl. Remonte-le. Hein. Tu l'as enlevé, à mon avis, que tu vas voir les pieds en haut. Approche-toi, n'hésite pas. Pour avoir un beau cadre. Bah là, c'est tout, c'est que je vous ai tous, c'est d'où je suis. Quoi. Oh, j'ai glissé sur un rocher. Ouais. Je vais me mettre. Attends, je vais tout. Où tu viennes là et Karl vers la queue. Tu te mets au milieu, Karl, tu te mets vers la queue. Super poisson. Ah. Oh, on dirait qu'il a des boutons, c'est trop bizarre. Allez. Il est beau, hein? Non, j'avais pas vu un gros nénès.
Viens voir, Zozo. Ah, ça l'a fait. Oh. Ah, bah, purée. Tu l'entends bien, celle-là. 20 kilos. 20 kilos. Vous avez réussi à la choper celle-là. Encore un coup, les enfants. Et puis et cette nuit j'ai fait une 17 kilos. Oui, une dernière, les gars. Une dernière. C'est vrai. C'est vrai. Ah bon? Ah oui. Allez. Pas trop haut. On dit oui, Stiti. T'en chies? Il n'y a pas rien. Le truc, il est 10 fois plus gros que vous, les ptios. Il est plus gros qu'un, surtout. Laisse-le partir, s'il nage, c'est qu'il est prêt à partir. Au revoir, petit esturgeon. Salut les pichailloux. Fin de la semaine, on a fait 22 poissons en tout. Beaucoup vers 15. Et il y a beaucoup de records battus. Il y en a quelques-unes vers les 20 kilos. Et 2-3 étourgeons aussi. Hein. Et le dernier, il était vraiment gros. Voilà, le dernier étourgeon qu'on a fait, c'était un 18 kg. Il faisait 1m50. Et c'était très joli comme poisson. Voilà. On va vous mettre ça. On va vous mettre les photos sur la fin de vidéo. Puis, voilà. On est content de ce petit séjour. Passer. Des moments assez frustrants, d'autres assez joyeux. Et puis c'était assez long, surtout à attendre au moins une journée, la moitié, 30 minutes, n'importe quoi, ou pour avoir un poisson. Voilà. Donc on espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à donner des petits conseils dans les commentaires. Voilà. Et puis on est en train de ranger petit à petit. On va essayer de rendre les lieux mieux qu'avant. Et puis, petite session qui se termine. 146 heures. juste un petit truc. Bon, les enfants, vous ont laissé un petit mot tout à l'heure pour vous expliquer la session. Juste dire un truc. Voilà, nous, ça fait une semaine qu'on est là. On a foutu un peu le bordel. Mais on a tout récupéré, on a tout rangé, on a tout jeté. Et j'espère que chaque pêcheur va être responsable de ses actes à ce niveau-là. Donc voilà. Allez, ciao ciao, bonne déroule à tous. C'est ciao.